Alerte tempête! Alerte tempête! Ah! Le vent est très violent! Appel d'urgence! Un arbre est tombé sur l'école maternelle! Oh, ma voiture est renversée! Les amis, à l'aide! Oh! 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 Ouf. Merci, les amis! Et maintenant, tous à bord! Je vais voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Hé ! Il y a quelqu'un ? Il y a 4 enfants et un professeur. Tenez bon ! Nous allons vous sortir de là. Chase, la porte est bloquée ! Ruben, c'est parti ! Nous allons vous lancer une corde. Je vais tirer. Les amis, aidez-moi. Merci, la patte patrouille. Pas de problème. Marcus va vous ramener chez vous et avec Ruben, nous allons remettre le bâtiment en état. Hourra ! Nous allons monter dans un camion de pompiers ! Youhou ! Ruben, c'est parti ! Bien joué, Ruben ! Nous avons reçu un autre appel. Allons-y! Homnom et son ami le mignon ont décidé de jouer à cache-cache sur l'aire de jeu. Le tourniquet va très vite. Quelle étrange balançoire. Homnom veut jouer à cache-cache. Mmh.
Où est Omnom? Le voilà. Les amis vont jouer ensemble. Toi aussi, va jouer à l'air de jeu. C'est pas tout, tu vas pas t'en sortir comme ça. Lâche-moi! Lâche-moi! Où est-ce que tu m'emmènes? Lâche-moi! Tiens, Spider-Man, utilise ta toile. Tiens. Tiens, regarde ça. Je vais te laisser ici. Regarde. Bien. T'es pas bien ici? Je vais réussir à m'échapper. Pas de soucis. Tu peux essayer. Mais attention, si tu tombes dans le lac, tu vas perdre tous tes super pouvoirs. Allez, sèche bien ici. Je reviens. Aidez-moi. 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 Quel temps magnifique. Aidez-moi. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous entendez? Il y a quelqu'un qui crie. Il faut y aller, là. Aidez-moi. Je crois que ça vient de par là-bas. Allez, on y va, on y va, on y va. Aidez-moi. Allez, aidez-moi. Allez. Wow. L'homme araignée. Spider-Man, mais qu'est-ce que tu fais là? Il s'est enroulé dans sa propre toile. Docteur, rigolez pas. Ce serait plus sympa de m'aider. Je suis vraiment pas dans une bonne posture, là. Oui, oui, Spider-Man. Je vais t'aider, évidemment. Alors, comment s'accrocher? Attention, docteur, attention. Ah non. Spider-Man, Spider-Man, t'es où? Ah, mais t'es où? Ah, voilà. Mais monsieur, vous êtes qui? Je suis Peter Parker. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai perdu tous mes pouvoirs en tombant dans le lac. Je suis en fait Spider-Man. C'est encore un coup du Joker. Excusez-moi, Peter Parker, Spider-Man. Je dois vous aider. Alors. Peter. Alors, il nous faut un petit traitement. On va commencer par ça. Bouge pas. Hop. Voilà. Maintenant, tu devrais être Spider-Man à nouveau. Docteur, tout va bien avec moi? C'est bon? Je suis soigné? Oui, oui, oui. Pas de problème. Tout va bien. Encore un petit détail, mais on est soigné. Oups, j'ai oublié. Le verre, c'est pour les Tortues Ninja. Mais quelle couleur il me faut pour l'homme araignée? Ah! Le bleu, le rouge, c'est bon. Le bleu. Allez, encore deux, trois choses à faire, Peter. Hop, on va retourner dans l'eau. Ça te va? Non, non, pas encore, non! Non, non, je ne veux pas! Allez, Peter, fais pas ton bébé, allez, on y va! Allez! Oh. Voilà, c'est assez, je crois. Ah. Voilà, Peter, j'ai préparé ça pour toi. Tiens. On
On y est presque, mais c'est pas encore ça, hein. Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui manque? Eh oui! Mais Spider-Man, c'est bleu, c'est rouge. Bleu. Hop. Et rouge. Allez. Rouge. Allez, la dernière touche. C'est bon. Je pense que là, on va soigner tout ça. Docteur, docteur, le traitement, il a marché, dites-moi. Ouais, super. À première vue, t'as l'air soigné, ouais. Attends, je vais vérifier. Hop, en même temps, on va nettoyer tout ça. Ok. Est-ce que tu peux essayer de lancer de la toile? Oui? Ça marche? Ça marche? Attends, j'essaye! Yo! Ouais, ça marche, ouais! Tout va bien! Merci, docteur! Allez! Moi, je m'en vais, je dois m'occuper du Joker! Ah, celui-là! De rien, Spider-Man, comme d'habitude. Avec plaisir. Bon alors, fais attention, hein. On va le trouver, ce Joker. Intéressant. C'est qui le super-héros le plus puissant, à ton avis? Spider-Man? Superman? Tortue Ninja? Écris-moi un petit commentaire, je lis ça, et je te réponds. Salut! Wow! Déjà 3 heures! C'est l'heure d'aller réveiller nos petits autobus! Allez, on y va! Debout! Oui, 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 oui! On est déjà debout! Si tout le monde est debout, je vais vous compter. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Tout le monde est là, je vous propose d'aller faire la toilette. Allez! Hé hé! À la baignoire! Wouhou! Nous aussi! Attends, attends. Je vais vous aider, les enfants. Hop. Sur le pare-brise, un petit peu. Hop. Le pare-choc, la bouche, les yeux. Voilà. Ah, et toi aussi, tu veux de l'aide? Attends. Hop. C'est un peu sur le toit. Hop. Et les roues. Ouh. Toi, tu es tout sale. Cito, t'en as mis partout, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, viens ici. Hop. Fais attention un peu. Allez, on va te sécher. Rejoins les autres. Hop, voilà, ici. Alors les petits autobus, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier les panneaux routiers. Hop. Oh, oh. C'est plutôt cool ça, Romain, mais il va nous falloir une route alors. Et voilà la route. Regardez. Waouh. Ouais, Romain, trop bien. Super, si vous êtes contents les enfants. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les panneaux à leur place. Regardez, comme ça. Hop. Ouh. Oh. Je connais ce panneau. Ça veut dire qu'il faut laisser passer les piétons. C'est un passage piéton. C'est bien, Taïwo. Maintenant, le suivant. Regardez. Ici. Oh, oh, oh. Ah, ce panneau-là, c'est un rond-point. Il faut laisser passer les gens qui sont déjà sur la route. Maintenant qu'il est parti, c'est à moi. Non, non, non. Tu as pas vu? C'est un sens interdit. Sens interdit, cela veut dire tu ne peux pas passer. Allez, demi-tour. Oh, j'ai compris. Bon, je vais ailleurs. Oh, et ça c'est quoi, Romain?
Ça, c'est un feu tricolore. Ça veut dire qu'il y a trois couleurs. D'accord ? Le rouge, l'orange et le vert. Si c'est vert, tu peux avancer, pas de problème. Si c'est orange, tu dois ralentir et faire attention. Et si c'est rouge, tu dois t'arrêter et attendre que la lumière verte revienne. C'est bon, j'ai compris, Romain. Oh, c'est passé au vert. Je peux y aller. Et où est-ce qu'on peut s'arrêter ? Regardez les autobus. Il y a un parking ici. Vous pouvez vous garer. Ouais, on va pouvoir se garer. Super les enfants, vous avez bien étudié. Maintenant, on peut aller se promener. Wouhou, on est parti, à la promenade. Tayo, pas si vite, pas si vite. On est derrière toi. Les copains, tous derrière moi. Allez. Oh, oh, c'est trop dur, on peut pas y aller ici. Oh, attends, attends, je vais lever le pont. Tu vas pouvoir passer. Ouais, merci. Oh, il y a du sable ici. Oh, ah, on est encore bloqué. Ah oui, il y a du sable. Allez, par-dessus bord. Voilà. On a nettoyé la route, on peut y aller. Hop, c'est parti. Et moi, je vais passer sous le tunnel. Oh. Oh. Oh, ils sont lourds ces rochers, je crois qu'on est bloqué encore. Attends mon ami, je vais t'aider à pousser. Oh, oh, tu as raison, ils sont lourds. Oh, oh, et si on mettait les rochers, les cailloux sur l'ascenseur? Ouais, t'as raison, sur l'ascenseur. Oh. Maintenant on doit tirer la poignée pour faire monter l'ascenseur. Attendez, je monte sur vous. Ouais, les cailloux sont là. Oh. Je les enlève. Je vais les pousser plus loin, pour que ça gêne personne. Oh, c'est bien les copains, on a fait du bon travail. Et si on allait goûter maintenant? Je pense que Romain nous a préparé quelque chose. On y va? Le goûter, le goûter, le goûter, le goûter, le goûter, ouais. Regardez les enfants, tous les fruits que j'ai. Je vais préparer pour les petits autobus une belle salade de fruits, ok? De la banane. Des pommes. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter? Du raisin ou de la fraise? De la fraise ou du raisin? Oh, on va tout mettre. Et la fraise. Hop. La fraise ici. Hop, hop. Et voilà. Et puis voilà. Un peu de sauce au chocolat. Wouhou! Des fruits! C'est bon pour la santé tout ça. Non, Taïwo, je vous ai préparé une salade. C'est par ici. Ouais, c'est encore mieux! Bon appétit! De la pomme et de banane. Moi je préfère le raisin. Laissez-moi du raisin s'il vous plaît. Super que vous aimiez ça. Les fruits c'est très bon pour la santé. Faut qu'on en mange plus, hein. Taïwo! C'est ton papa, je suis là, à la maison. Papa! Romain, merci, à demain! Pas si vite, Taïwo. Et vous, les petits autobus, vos parents sont là aussi. Allez, zou, à la maison. À demain, Romain. Salut, les jeunes. À demain. Les fruits, j'adore ça, les fruits. Et vous, les enfants, qu'est-ce que vous préférez? Les fraises, le raisin, les pommes? Vous m'écrivez un petit commentaire, je lis tout ça et je vous réponds. Salut!
Oh les enfants, il est 3h. Il faut se lever. Allez, debout. Oui, j'arrive, j'arrive. Oui. Oh. Oh, je suis là. Si tout le monde est debout, je vais vous compter les enfants. 1, 2, 3, 4. Mais où est Duck ? Ah, mais il se baigne là-bas. Bah alors, Duck, tu t'es levé bientôt ? Eh oui, Romain. J'aime me baigner tôt avant tout le monde. Nous aussi, on veut se baigner. Moi aussi, je veux me baigner. Attendez-moi. Hi-ha. Bah, Kay, pourquoi tu te laves pas ? Romain, moi, je peux pas vraiment me baigner à cause de ma batterie électrique. J'ai peur de m'électrocuter. Oh, Kay, tu as bien raison. Faut pas prendre de risques. Pour toi, le mieux, c'est la station de lavage. Regarde. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Des rouleaux de lavage, des ventilateurs de séchage. Waouh! Impressionnant. Oh, je suis impatient d'essayer tout ça. Ok, regarde, il y a aussi un ordinateur pour faire le contrôle technique. On va savoir si tout est en place. Ok, alors, tout va bien? Ouais, ouais, tout va bien, l'ordinateur me dit que vraiment, tout est en place, tout va bien, tout marche correctement. Hé, hey, Romain, je suis jaloux, moi aussi, je veux la station de lavage. Allez, j'y vais tout de suite. Oh, c'est les filles d'abord, en général. Ah, j'arrive. Allez, 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 allez. Ouh, ça chatouille. Oh, au séchage. Wow, maintenant je suis tout propre. Wow, Romain, il y a du gravier partout, on est bloqué. Wow, appelle tes amis, il va falloir déblayer les enfants. On arrive, on va aider. Ouais. Hé, hey, attendez-moi, je veux aider aussi. Hop, 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 Kay, pas si vite. Il va rentrer dans tout le monde. Maintenant, les enfants ont de quoi jouer. Ils ont des graviers roses et oranges. Les enfants, ce que je vous propose, c'est de les ranger en deux tas. Un petit tas avec les graviers oranges et un petit tas avec les graviers roses. Moi, je prends les oranges, d'accord ? Et moi, Romain, je vais prendre les roses. Hé, hey, Duck, laisse-moi t'aider. Alf, regarde, je t'aide. Moi, je vais aider qui ? Bah, tu as qu'à aider le premier groupe et le deuxième groupe, voilà. Ouais, c'est pas mal comme idée, ça. Hop, 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 hop. Vous avez déjà tout fini ? Bon, les enfants, si on comptait les graviers, alors, combien de cailloux roses ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On en a 10 roses. Maintenant, combien de oranges ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a donc 9 graviers oranges. Attendez les copains, j'en ai trouvé un autre. J'ai un dernier orange. Waouh, on a un autre orange. On va le mettre dans le tas. On avait donc 9 graviers plus 1 gravier, ce qui nous fait 10 graviers oranges. Voilà, 10 graviers oranges et 10 graviers roses. C'est la même chose. Wouhou ! On a fait du beau travail, Romain, hein ? Oui, vous avez super bien travaillé. Allez, vous pouvez aller vous promener maintenant. Zou ! Tout le monde me suit ! Ouais, on va se promener ! Allez, promenez-vous bien. Et moi, je vais leur préparer quelque chose de très bon pour le goûter. Wow, ça m'a l'air cool ici.
Regardez-moi ce circuit. À moi. Oh, c'est haut, j'ai peur. Attends, je vais rester là, moi. Le peureux, nous, on n'a pas peur. Je suis derrière toi, on y va ensemble. Ouais. Ouais, ouais, ça a l'air drôle. Bon, allez, s'ils peuvent le faire, je peux le faire aussi. C'est parti. Hé, hey, les copains, vous partez où sans moi? Vite, attendez-moi. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh, mais ça descend. Oh, oh, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, c'est dur. Oh, je suis fatigué. Hé, hey, pourquoi tu restes là? J'arrive pas à monter. C'est trop pentu. Regardez. Wow, j'arrive en haut. Nous aussi on monte, ouais. Oh, je suis fatigué. Oh, ça m'a donné faim. Alors, si tout le monde a faim, on retourne à la maison. Pour les enfants, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Une pizza au pepperoni. On a la pâte à pizza, et avec ça, on va ajouter du fromage et du pepperoni. Un type de chorizo, quoi. Alors, on écrase la pâte. Hop, on prépare la pâte. Et voilà. Alors, le saucisson. Hop. Alors, on va mettre ça sur la pizza. Alors maintenant les enfants, on met du fromage sur la pizza, on met ça au four, voilà. Wow, ça sent bon! C'est de la pizza, c'est de la pizza, j'en suis sûr! Doc, t'as raison, c'est de la pizza, regarde. Elles sont trop bonnes ces pizzas! Hé, hé, attendez-moi, faites-moi de la place. Wow, la pizza, elle est vraiment au top. Merci, Romain. Oh, qu'est-ce que j'entends? Ah, je crois que vos parents sont là. C'est toi, c'est le papa de Alf. Allez, il t'attend, vas-y. Alf, c'est l'heure, on y va, à la maison. Ouh, papa! Merci, Romain! Salut, les copains! À demain! Oh, nos parents sont aussi ici! Merci, Romain! À demain! Oh, salut! Ça part de partout! Et à demain! Et vous, les enfants, quel type de pizza vous aimez? Pepperoni, champignons, seulement de la tomate, je sais pas, une calzone? Vous m'écrivez un petit commentaire, je lis ça et je vous réponds. Salut! À la prochaine! Hey! Regarde comment elle est superbe, cette piscine! Allez, on y va, Spider-Man! Wow, elle est bonne! Oh oui, Spider-Man, tu as raison, elle est vraiment bonne! Allez, je vais faire du scooter! Et regarde, Captain America! Je vais plonger! Vous vous amusez bien. Je vais refroidir cette piscine. Un peu de glace. Et voilà. Je suis un génie. Oh, l'eau est congelée maintenant. Bon, allons bronzer un peu au soleil et se réchauffer.
Non, pour moi ça va encore un peu, je vais rester. Captain America, je crois que je suis tombé malade. Spider-Man, tu dois aller voir au plus vite le Docteur Oi. Oh, Spider-Man, tu es mon super-héros préféré. Je suis tombé malade, il me faut le Docteur Oi. Bien sûr, allez-y. Captain America, Spider-Man, mais qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? Docteur, je suis tombé malade. Spider-Man, mon ami, il faut que je te laisse. J'ai encore beaucoup de choses à faire. D'accord? Je te souhaite bon rétablissement. À bientôt. Spider-Man, je vais t'ausculter. Alors, c'est parti. Oh. Spider-Man, inspire, expire. Est-ce que tu peux tousser un petit peu? Ok, inspire, expire. D'accord. Ok, Spider-Man, maintenant, on va regarder ta gorge. Allez, le orange. Fais A. La gorge est très très rouge. Maintenant, la température. Hop. Regardons dans la mallette. Ah, voilà, le thermomètre. Ou Spider-Man, 38,5. Docteur Wood, tu peux me soigner au moins. Spider-Man, évidemment que je peux te soigner. Une super seringue pour les super-héros. Alors, regardons cette épaule. Je désinfecte. N'aie pas peur, ça ne fait pas mal. Ah, ah, ça fait mal, docteur. Ça fait mal. Hey, Spider-Man, tu es un super-héros. Tu peux supporter ça, quand même. Spider-Man, ça, c'est un sirop. Ce sont des vitamines. Deux fois par jour, le matin et le soir, avant le repas, d'accord? Tu n'oublies pas, avec la petite injection que j'ai faite, tu vas te sentir au top. Merci, docteur Oi. Je me sens déjà vraiment mieux. Il n'y a pas de quoi, Spider-Man. Salut et bon courage. Hein? Fais pas trop de mal aux méchants. Salut, docteur Oi. T'es vraiment le meilleur. Alors, les enfants, vous vous êtes rendu compte comment est tombé malade Spider-Man? Écrivez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Salut !